Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Hag on Life. Ce jeu complètement barré comme d'habitude, je sais ça fait deux épisodes que je le dis, mais je m'en fous, on se retrouve directement pour la suite des aventures des co-créateurs de Rick et Morty. Comme d'habitude, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à aller voir le premier épisode en haut à droite que tu verras affiché en annotation. Aime, commente, partage, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force. Dans la description, tu auras tous mes réseaux sociaux, abonne-toi, active les notifications pour ne pas louper la suite de ce jeu et d'autres jeux et de live, etc. qui est proposé sur ma chaîne. Bref, let's go. Du coup, on était arrivé ici. Ça marche, on avait grugé le passage qui était là-bas pour aller vers l'autre côté. Bon, du coup, je dois aller où là? Ah, je dois revenir en arrière. Ok. Bah. Learn how to drive, asshole. Fuck your mother. I don't got all day here. I know we're on another weird place, but we got still places to go. Hey, fuck your mother. No, fuck you. Hey, you want to yeah, that's what you said. Les insultes gratos ici. Fuck you, I'm pissed. Yeah, go away. Say it in my face. What kind of drivers are you? Just figure it out. Fuck you. Je veux bien, mais j'ai déjà fait, les gars. I'll beat your fucking ass. Fuck you. Fucking idiot. Il y a un bug dans le système là, non? Ok, ah ça y est. Retournez voir Dogan Molly. Donc c'est qui ça? C'est le petit chat. On va tirer dessus, comme ça on en est bien. Il est où? Ah il est là-bas. Wouhou! Ah oui c'est vrai les pouvoirs et tout. Attends, on doit revoir lui le chaton là. Ah non c'est un nounours, pardon, excusez-moi. Ranchi? Yeah, that guy has serious problems, but he gave us this warp device. By the gods, you've done it. You got the warp device. This might actually work. You continue to provide us with hope, Grand Savior. With this warp device, you can warp Krubis directly to you. How fortuitous. But alas, you'll need his coordinates and a blank warp disk to encode them onto. Oh well, no way you're getting those. That stuff's in the mines. We could just go down there and get it right now. Oh right. Take this access code and head down to the mines. Everything you need is there. Okay, perfect. Thank you. You know, you guys figured out that whole plan for us. You know, that really means a lot. You know, it clears things up for us, you know. Anyway, yep, we'll get it done. OK, donc attends, la mine elle est où? Ah, c'est cette porte là-bas qu'on n'avait pas pu ouvrir qu'on pouvait pas ouvrir, je pense, parce qu'elle était condamnée. Donc du coup, on a le code pour y accéder. Hell yeah. All right, let's use the passcode and get in. Nice. Nice. Donc cette vidéo, ce niveau, je le fais en deux parties tout simplement. Pourquoi faire? Parce que bah... Oh merde. Ouh. Je le fais en deux parties tout simplement parce que bah, c'est super long. Vous avez vu déjà la deuxième partie a duré extrêmement longtemps. Hop là, toi ça décale, multi-kill. On va en profiter pour faire des kills en mêlée. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que peu importe ce que tu fais dans l'aventure, tu débloques des points ou des... Comment ça s'appelle ça? Des pesos. Donc là, les coffres, tu gagnes des pesos. En gros, ce qui est cool, c'est qu'en gros, les collectibles vont te faire remporter des pesos. Et justement, ces pesos, tu peux les débloquer pour avoir des nouvelles armes, etc., etc. Donc du coup, tout ce que tu fais dans le jeu, genre si tu accumules 100, 200, 300 kills ou quoi ou qu'est-ce sur le jeu, et ben voilà. Tu peux avoir des trucs en plus. Bonjour citoyen de Blim City, c'est le Magistrat Club Nugman et je veux savoir si je peux compter sur vous, vote lors de, la, de vos votes, de, sur votre vote, lors de la prochaine élection. J'ai eu du mal à lire là, je suis désolé les gens. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ah, c'est quoi ça? Creepy crawly bastard. Ouais bah tu sais quoi, tu vas attendre parce que là y a de quoi là-bas intéressant apparemment. Attends, what the fuck? Et si vous faites un don, nous enverrons encore plus d'emails car nous savons maintenant que vous ferez... Ah merde, pas le temps. Par contre, si vous faites un don sur la chaîne les gens, ça va me servir à m'acheter du matos que je dois avoir impérativement par la suite, d'accord? Personne n'est obligé bien évidemment. Mais si jamais, dans la description, c'est disponible. Même un don d'un euro de 50 centimes fera l'affaire. Enfin, j'aime pas, mais ça fait passer pour crevard. Mais bon, je préfère le dire au cas où. Personne n'est obligé, bien évidemment. Donc attendez.
Ils sont là-bas, ces enfoirés. Ok, pleine tête. Waouh. Ok, pleine tête. Waouh. Y'en a un tout là-bas au bout, là. Hein? J'ai réussi à l'avoir quand même, hein? Oh, je l'ai eu quand même. Monoscope. Olé. Ah, j'ai 2 pesos quand je fais un tir dans la tête. C'est excellent, ça. Par contre, ils m'ont vu vraiment de loin. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'étais extrêmement là. Par contre, là, je comprends pas comment... On lit. Je comprends pas comment accéder ici. Ah, il faut peut-être mettre une boule. Ah non! Bah tant pis. C'est en vrai, je pense qu'il faut tirer une boule et activer ce truc là. Ça. Je perds de la vie pour rien, donc ça sert à rien. On essaiera de voir après ce que ça donne. On en a rien, c'est con parce que j'ai besoin d'un... J'ai besoin d'un peu de pesos, moi. Quand même. Oh, shit, looks like the G3 ran into trouble. Maybe they'll sort this out themselves. Ça, c'est quoi, ça? T'as les couleurs comme ça, ça me fait trop penser à ce petit là du coup. Les T-Live hein, dispo sur la chaîne tous les 3 jours sur Subnautica ou 4 jours, tout dépend, bien évidemment. Ok, là on a eu 100 pesos. Ce qui est excellent. Ok, let's go. Wouh, wow, wouh. Attends, il y en a peut-être un en dessous là. Ah, mais ça, c'est chiant, ça. Est-ce qu'on va avoir un truc temporel? Ah ouais. Un truc temporel pour pouvoir... comment on dit ça? Ralentir les... Attends, c'est quoi, ça? Oh, c'est quoi, ça? Ça me fait flipper, ça. Ralentir le temps. Histoire de... Ralentir le temps dans les objets, comme un peu sur Deep Space, quoi. Ah ouais, la vulgarité, quoi. Donc attends, là, là, là et là, on a quoi? Ok. C'est juste pour les défis. Hop là. Comme ça, s'il y a des succès, on est bien. Ok, nice. Nice. Donc, y a-t-il des petits sacs ici, s'il vous plaît? Non. Allez, dans Tuno. A priori, non. Ah, merde. Hein. Des moments, c'est la galère. Hein. Ah, par contre, si je tombe, là, je tombe dans le... Oh, bah, il est là. Allez, 100 pesos. On est cool. Par contre, la musique derrière, là, ça me fait trop penser au son de... Vous avez déjà... Bah, il dit toujours... Subnautica, mais ouais, de ouf, hein. Donc là, par contre, ici, on avait fouillé déjà. Ouais. Ça avait été déjà fouillé. Donc là, par la suite, ici, on n'a rien. Normalement, on n'a rien d'autre. On va juste continuer d'observer tout ça. Je suis parti par le bon endroit. Ouais. Ok, nice. Ça m'a fait monter haut, hein. Is this the entrance to the mines? J'ai rien ici. Ah ouais, regardez, j'ai entendu. Donc effectivement, j'ai l'impression que... Le petit bip bip, c'est quand il y a un coffre à côté. Ou c'est juste le truc de téléporteur. Oh, c'est une blague. Ça a pas fonctionné. C'est pas grave. Oh, est-ce que je vais avoir un petit boss?
Jesus, they really fucked this place up. I didn't know it had gotten this bad. These guys just don't let up, do they? Oh shit, Grimpton's. Gotta be honest though, you know, they're working for the G3, but still better than our friend from earlier. Ah, je vois le bac lui là-bas là. Ah ouais, d'accord, lui maintenant je vais le combattre, ok. Là-bas il y a un sac par contre. Oh great, these guys heal other G3. Allez, 100 pesos. Tiens, les gars, casse-toi. Oh merde. Olé, on dégorge, nous. On n'est pas là pour niaiser. Hop là, hop là. Ouh. Yeah, baby. Yeah, baby. Nice job. Excellent. Les possibilités de move que tu peux faire dedans, c'est juste excellent. Allez! Pas en égorgement, mon pote. Oh. À des moments, c'est compliqué, hein. À des moments, c'est compliqué. What? Il y en a énormément, là, le truc. C'est quoi ça, en fait? Ok. On va essayer de se concentrer un minimum. Parce que là, j'ai l'impression que je vais me faire dégommer. Nice. Il est où lui? Ok. What the fuck is that war? Moi j'adore quand il y a du combat comme ça. Déjà eux ils prennent la tête, eux, hein. Killing these weak fucks doesn't do anything for me. Attends, il y a destructible lui ou... Wow, hey, c'était tendu là les gars. C'est pas pour dire mais c'était extrêmement tendu. Mais c'était tellement bien, tellement intense, tellement cool. Nice job my brother. Wouhou! Donc attends, là, hop! Ah, ça n'a pas fonctionné! C'est pas grave, on va regarder en haut, parce que normalement il y a peut-être un coffre en haut là, non?
Non, même pas. Oh, du bouclier. Ça, c'est cool, ça. Un petit bouclier, mais... Il doit sûrement avoir un sac quelque part, là. Ah, ça a son nez. Je regarde, parce que s'il y en a des sacs, c'est certain. Faut juste les trouver. Enfin, c'est des sacs, c'est pas des sacs, c'est des coffres. Oh, power slide. Ouh. Non, pas de coffre. Très étonnant. Et ouais, c'est très étonnant, c'est pas grave. Ah. Nice job, bro. Ou un peu là-bas. Oh bah non, a priori non, que dalle. Waouh, tu peux tomber là. Ah, il y en a même un là. Ah ouais, si tu tombes en fait là, t'es même pas mort, c'est juste un ascenseur. Ok, je vais voir. Si je peux remonter, je redescendrai par en haut. Hein. Not for me anyways, you might warp in some bases and Lord only knows, but you know, for me over here as a gun character sidekick, no crash jokes. 100% on the level with you and no bad stuff. Fuck, it stopped. Ah bah comme par hasard quoi. For a blank warp ticket and some way to find out where Krubus ah, is. Bah, let's get sac là. J'en ai déjà réparé trois en espace de 2 minutes. De 10 secondes, pardon. Donc du coup, là, il y en avait un. Là, il y en a un là-bas. Ok, ça, c'est pas pour ici. On va annuler le tir quand même. Oh! Olé! Oh merde! Bah, le temps qu'ils sont là, au cut, ok? Prends tes exécutions à la mêlée. Oh le bug. Attends là-bas j'ai pas été fouillé, peut-être un sac. Un sac, faut que j'arrête de dire sac, moi c'est des coffres. Oh, je lui lâcher. Ah, j'ai été zéro là. Il tire à toutes les balles à côté. Nice. Attention, mining operation 12. Attends. It's me, Krubus. Speed things up. I'm fucking underwater here trying to keep things on schedule. And I figured maybe you forgot that if you piss me off, I will kill you. It's really easy to find more slaves. Look, just do your job. Oh, je savais pas ça, dommage. Krubus out. Holy shit. Hey, he's got a Gatling. We gotta rescue it. Ok, donc si ça, je fais ça. Attendez, hop. Wouhou. Oh, nickel. Nice. Eh, je suis parti où là? Je sais même pas si c'est là que je devais aller. Bah, apparemment non, mais c'est pas grave. Bonjour monsieur. On va les délivrer. Peut-être avoir une petite récompense. Peut-être une petite récompense ou un petit succès, on ne sait pas. Hein.
Ah oui, c'est fun for me. Fuck, I don't want to die like this. Aïe. Or at all. C'est quoi ça? Ah voilà. Hello anyone? Help! We you know we captors, but we do not know what. Hey, listen, we're here to help. What's going on? Don't get me in trouble. No, it's okay. We're friends. We hate the G3 too. Oh, wonderful. Thank God. Oh. C'est quoi le plan? Savez-vous où on peut trouver c'est quoi le plan? We have started a resistance. Not only do the G3 enslave us, but they have desecrated our holiest of sites and absconded with our sweet prince. Prince Chosen One, that's him. Prince. Oh, that's awful! So you kidnapped this G3 merc as a bargaining chip to get your prince back? Oh, yeah, that's smart. No, we didn't think of that at all. But it's fine, we know where the prince is. They swapped him out with the rest of our sacred grounds when they warped to the new base. So you want us to go clear it out and then warp the throne room back? Oh, heavens! Would you really do all that for us? The base is just past this tunnel. Thank you, thank you, thank you. All right, we okay, j'aurais rien savoir de plus. Par contre, j'aurais bien voulu aller chercher le coffre de tout à l'heure. Mais le coffre de tout à l'heure, je sais pas comment accéder, bah c'est pas grave. Par contre là, je crois que je suis pas parti à l'objectif. Putain, il m'a fait peur lui, connard. Donc attendez. Ok, il y a un coffre ici. Un coffre là-bas. Oh, il m'a fait flipper lui. Allez, ça dégage. Un malade lui. Bah tu me regardes de travers toi. Dégage, t'es dit. Aïe. You have a deed, my brother. Great. Now let's see if there's a disc in here. On va récupérer un disque. Okay, let's head back outside and use this to reverse the warp. Déportation, ok. J'en ai deux du coup, c'est excellent ça. Ça va sûrement me faire apparaître un truc pour monter au-dessus du de la grue pour pouvoir ensuite aller chercher le coffre qu'on a en haut. Il y a peut-être moyen, hein. Mais hey, je me suis bloqué comme un teubé. Bon, en moins ici, on est bien. Ah, là, regardez. Qu'est-ce qui va nous faire apparaître? Ok. Ok, ça a été... Ah, ça a été carrément remplacé. Attends, je regarde si ça pas un petit sac derrière, my brother. Ok. What the hell do you want? Jeez, we just saved you. You know, maybe you could be a little grateful. Saved me from what? I'm fine. Look, we were told you had some sort of blank warp disc. Huh? Yeah, sure. I've got a bunch. Okay, now we just need to find out where Krubus is. Merci beaucoup, my brother. Prince Chosen One has returned. All has been restored. Et toi là, il y en a un là-bas de coffre. Nice moves. I'm so sorry, but we're out of here. Mais comment je vais y accéder? C'est ça le problème maintenant. Ah, peut-être par là. Ah l'enfoiré! Je me suis fail! Je l'ai mal fait! Ah, voilà! J'étais juste mauvais! Merde! Oh putain, j'ai eu peur! Par contre, c'est quoi là en dessous? Vous croyez qu'il y a quelque chose là en dessous? Il n'y avait rien du tout. Ok.
Bon, on va continuer. Je sais que c'est pas la bonne route, mais il y a des choses à récupérer très intéressantes. Donc moi, je suis preneur, hein, vraiment. Bah alors, mon bro. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc d'abeille pour descendre, pour monter, pardon, si jamais je tombe. Là, ça sert à quoi? Non, c'est rien du tout. Nice. 100 pesos. Ok, mamma mia. Hop. Ouais, j'ai eu chaud, hein. J'ai eu très très chaud, donc attendez. Je fais pas n'importe quoi. Je ne peux pas monter plus haut, à part ici. Oh, il y avait un coffre en haut. Oh, j'ai le seum, je suis tombé. Il y avait un coffre tout en haut. Mais comment y accéder, my brother? On a peut-être les mains là-bas. Je crois que j'ai pisté. S'il y a ça, c'est pas pour rien, hein. Apparemment, oui. Bon, bah, je sais pas comment monter. Je pense même qu'on peut même pas. À moins qu'il y aurait un bord où que je peux m'accrocher. Bon, bah, a priori, non. Tant pis. S'il y a un coffre ici... Mais comment y a... Quoi? Oh, le bug! Ah non, il y a un truc là-bas! Ok. Mais peut-être que si je fais ça... Eh bah non, tant pis. Donc là, il y a que dalle, là, il y a que dalle. Ah, on est revenu au début! Ouais, nickel! Comme ça, moi, je vais pouvoir reprendre ma... C'est quoi, ça? C'est parti où là? Ah, je suis revenu au niveau de base. Je pourrais aller chercher des petites améliorations peut-être. Vas-y, je vais chercher des petites améliorations. On va aller voir Cubs. Oh, allez, on va lui acheter un max de choses. On a combien? 4000. Bon bah déjà ça, je vais le prendre. Confirmé. Tube de rechargement. A priori, y'a rien d'autre. Bon bah, dommage qu'il n'y a pas d'autres magasins. Dommage. Vas-y, bah, on va repartir là-bas. Finir la mission, ce serait cool. Je vais essayer quand même de récupérer celui-là. Ça ne fonctionne pas, c'est relou. We turn to the level. Ah, il est pas revenu que je voulais. Non, c'est pas grave. Parce que là, du coup, on va pouvoir sauter dans le vide. Attends, à moins qu'il y avait un sac derrière. Ah non. Donc là, on va pouvoir sauter dans le vide et aller récupérer celui qui est là-bas. Et ça, c'est nice. Il est où? Apparemment, il est là exactement. Oh oui, 300 pesos, my brother. Nice, c'est où du coup là? Juste là? Ok. Oh, ok, let's go. Qui sont dedans, a priori? Bonjour, monsieur. Excuse-moi. Non, I've gotta go. We'll talk more later. So sorry, I didn't see you there. I'm Helen. I just need to know, are you the new hire or the new boss? As a matter of fact, I am the new boss. Absolutely. Yeah, right. You're not, honey. That's funny though. I like it when the new hires have a sense of humor. Let's get y'all set up. Head on into the next room and find a place to work. Go on without me. I haven't left this chair in years and I don't plan to start now. Je regarde, c'est pas des petits trucs, hein. On fouille. Hein. Oh, thank God they're here. Hey, you must be the new office clerk, right? Just sort through that paperwork for us. We're so sorry. Sure. Yes, I will see what I can do. Oh jeez, okay, this is more paperwork than I anticipated. All right, better get to work. OK, qu'est-ce qui se passe? We still good for Hyper Feast later? What time did you say again? Zork. Oh yeah, Zork totally works. Je dois remplir des papiers. Ah, il était temps. Faire des paperasses, c'est de la paperasse. Oh, c'est quoi ça? Ok, je regarde en haut s'il n'y a pas un petit passage pour avoir un petit coffre. Ah, maintenant, ici, j'y viens. Ok, donc peut-être que je peux monter là. Il doit y avoir un sac. Ah, peut-être, ouais. Hop, hop.
Ah, attends, un petit bug. Voilà. Il y avait un petit bug. Un petit bug, bah pour rien au final, parce que. Y'a rien. Ah, bah oui, regardez. 300. Oh, rein de flame. Un nouvel organe amusant que Kenny lui permet de régénérer du slime plus rapidement. Oh, j'ai même pas eu de pays sauce. Oh, l'arnaque. Bon, au moins, on a eu un accessoire en plus. Et ça, c'est really cool. Nice, on continue. Mining Operation 12C. This is Krubus again. One of you weird moblet fucks just delivered me a batch of. On va bien dégommer, mon pote, t'inquiète pas pour ça. Donc, attends, là, on va être averti. Oh merde! Comment je fais pour désactiver cette merde? Ah, j'ai seum. Je peux pas. Je peux pas désactiver. Ah, il faut que je parle encore à quelqu'un. Look, I know it seems hard to find out where Krubus is, but you can do this. You know, you can find it. It's not like there's that many things in here. C'est Kiloli. Oh, would you look at that? He marked his coordinates on the calendar. Shit! Okay, we got everything we need. Let's get back to Ranchi's place and see if he, you know, can help us encode them onto this machine. Okay, this is the order of the machine. Je sais pas ce qu'il me raconte, mais ouais, vas-y si tu veux. Ah, ici j'ai fouillé tout à l'heure, hein. Oh, j'ai cru que j'allais crever. Ah, il y a peut-être un sac ici. Non, il y en a pas. Allez, on va enfin aller tuer le boss ou comment ça se passe? Ici on est déjà allé du coup. Ah ouais, on avait déjà tout fait à l'avance en fait. On n'a pas suivi les rythmes du jeu là. Zéro. J'ai tout fait avant que ça soit fait. Comme ça, au moins, on est tranquille. Regardez, on se fait des petits trucs. Tranquillou. Des petits moves assez spéciaux. C'est bien là, au moins. Ouais. Hey, Ranchi, on recharge plus vite, en plus, du coup, mon perso, regardez. Ça va recharger plus vite. Hop là. Voilà. Nice. Il est sous médoc, lui. I need my fix, kid. Oh, I need it bad. I need it real bad. Oh, Jesus Christ. Man, hey, are you alright? Are you having a heart attack or... Is it Fergal withdrawals? Does that make you happy? Oh, you love that, don't you? You love to see a master of industry all flummoxed like this, all low and... Maybe this is a bad time, but could we use your disk encoder real quick? What? No! The encoder is off limits until I get my goddamn Fergal fix. Fergals, get him! Hurry. Hey, tell you what, we're gonna go ahead and use the disk encoder while you're sort of stuck on the ground like that, doing whatever it is you're doing. So don't be mad at us. Fuck. Fuck. What? No! The encoder is off limits until I get my goddamn Fergal fix. Fergals, get him! Hurry. What? Utiliser l'encodeur de disque de téléportation de Ranchi. Alright, looks like it's working. Ah bah oui, j'avais un disque vierge, c'est vrai. Oh, so cool. All right, there okay. We go. Time to warp in Krubus and then, you know, kill him. On va téléporter à Krubus. You ready? I'm ready. Ah, lui, il va commencer à parler. Hey, I've got a crazy idea. À parler pendant deux heures, non merci. Il va faire virer la maison, regardez. Vas-y, dégage-la. Lui, c'est une pipelette en plus, donc non merci. Oh! We'll all be damned. We found Krubus officially. Hey, come down here, asshole! No! Whoa! What the fuck? Oh, c'est crade, il est dégueulasse, lui! Fucking idiot.
fight doesn't end. I hope this fight doesn't honestly. I do appreciate the break, you know, it's all paperwork. C'est long, so my brother. Day in and day out. But I'm more suited to fucking up some intruders like you. Power slide. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je tue, mais a priori oui. Ah, dommage. When this is over, I'll flood him. Gargantua has kept me cooped up for too long. Oh, really stress my drills like this. You build that? That's 10 plus years of lethal mining expertise, baby. I'm gonna slice you. Bring it on. I can take it. Nouveau bouclier, y'a plus rien, d'accord, y'a pas de soucis, gars, hop. Tu peux rien faire, mon pote. I'm really good, nice. I'm getting dirt in my mouth. This fucking sucks. I swear to God, if this fight delays our mind schedule, I'll kill you twice. So long! Shit, they just keep coming! Voilà, comme ça, on gagne un peu de temps. I'm not gonna let you fucking kill me. Just one little burglar to help me get my energy back up! Maybe now isn't the best time, but how do you wipe your ass? Your hands are drills. Do you not wipe your ass? Let's give him a glove shot. Right out of my trip. I'm getting dirt from the mouth. Par contre, son coup là. Il fait un peu très mal, hein. J'ai l'impression que son truc tu peux lui renvoyer par lui, sur lui. Moi, je devrais être mort là. Casse-toi. On n'en parle plus, my brother. Let me in there. Oh god, this feels amazing. You have no idea. Pouvoir de sang-froid. Allez, on s'en branle. I'm in heaven right
Battez Clovis. Oh, you should see this. Oh, ripping through his drill tendons like that butter. Oh, fuck. Oh, oh, I was really getting my gloves off there, wasn't I? Sorry about that. Sorry. Oh, une nouvelle arme. Brillante, cette... Excellent. Gus. Hey, bud, the name's Gus. Feel good to meet you. Look at you, man. Pretty slick taking out Krubis like that. Rescuing me from indentured servitude, etc., etc. I love that kind of stuff. No, I love that. That's kind of excellent, stuff. Excellent, wish. Do you mind if I tag along with you for a bit? Of course. That's what I was hoping you'd say. We can use your help. But I should be clear that we are trying to take down the whole G3 cartel, and we might die. Music to my ears. You think I don't want to take down the cartel? Buddy, that's all I want to do. That's all I dream about. Amazing. God, I'm so glad to find another Gatlian alive and well. I love your tiny little hands. By the way, I had a cousin who had those tiny hands. He died in the zombie apocalypse on Gatlas, but, you know, look, I'm sure you don't want to hear about that. We had to live through it. I mean, you know, who wants to talk about that? Ah, ouais, here's what okay. I do. I shoot discs, right? They stick onto certain walls, and you can climb with them. Wow, c'est cheaté, ça, vrai. Let me show off my disc launching trick on that ledge. Mais sur quelle paroi il me parle, lui? Ah, sur ça. See, that's what I'm talking about. Ah, ça défonce. Oh, shit, time to fight. Oh, okay. J'ai envie de les dégommer avec. Attendez. On va attendre. Hop, venez. Hop là. Ah ouais, c'est un fusil à pompe en fait, c'est excellent. Oh, stylé. Oh, c'est excellent. I'm not sure you can jump to that one. Oh, hey, it's me, Quentin the Grin again, your best friend. I actually decided to pack things up and rejoin the big three. Do you mind if I kill you real quick? Let's see how much you talk. Finally, enough of that guy. Excellent. They kicked him out of the G3 because he was so damn annoying. He's lonely, he's freedom, baby. Le jeu, plus t'avances dans le jeu et... Je fais des trucs de dingue, quoi. Et lui. Ah, il a sauté. Et là. Nice. Par contre, niveau des golfs, il fait rien. Hein. Par contre, j'avais vu ici. Afficher le menu d'armes. Ah ouais, du coup, j'ai deux armes. Donc, du coup, c'est stylé ça. Donc, attends, ça, si je fais ça. Hop. Nickel. Et le petit coffre. Nice. Ah, c'est excellent. Vas-y, je vais aller acheter le restant de. Je vais aller acheter le restant des trucs à Cubs. Ça va tous être content et lui aussi. Nice. Voilà, on va vider le magasin à Cubs. Comme ça, peut-être que si on vide son magasin, il va nous en donner un peu plus. Ou il va restocker. Tu vois, normalement, il y a un coffre en haut. Ah, peut-être ici, regardez. Ok. Voilà, 100 pesos, du coup je peux monter très haut, excellent. Ah ouais, hey, mais attends, la map elle est juste trop cool. Regardez-moi ça, la dinguerie du jeu toi,
Ça y est, maintenant je peux. Je peux aller partout sur la map, limite. Salut toi. C'est insane. En vrai, c'est carrément ouf. Donc attends, si je veux aller là-bas, bah je ne peux pas. À moins que, hop. Non, I don't know. Donc c'est pas grave. Nous, on veut aller voir Cubs. Mais Cubs, il était en haut. Lui vider son magasin. I think you'll be happy with that. Bah, je pense pas qu'on va pouvoir. 800, 1005, 800. Great! Now get out of here! VC à disque. Tube de Rocha. Ah, mais il y avait des autres trucs ici, regardez, sac à munitions. Bon, au moins, on a dépensé pas mal de trucs. Et on est pas mal là. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures et démarrer le nouveau contrat dans Eye on Life. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça coûte rien, ça donne la force. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas louper les prochains épisodes et d'autres vidéos multigaming bien évidemment sur la live et sur la chaîne et des lives qui arriveront prochainement. Bref, je vous dis à la fois prochaine. Peace.